Yop tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, une vidéo qui à mon avis va être très rapide puisqu'on va parler de la mise à jour de ce matin. Autant dire qu'en termes de contenu, il n'y a absolument rien qu'une chose, donc ça devrait être assez rapide. Avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus, ça fait plaisir et puis ça soutient énormément la chaîne YouTube. Et si jamais vous voulez des cadeaux, eh bien je vous invite à activer les notifications pour pas manquer les prochains lives, comme vous pouvez le voir sur cette petite vidéo. Et sinon, j'ai caché un petit code de 3000 V-Bucks dans celle-ci, donc cherchez bien et le premier qui rentre sur Epic Games aura les V-Bucks. Au passage, on n'oublie pas le code Toto qui fait plaisir et c'est parti pour la news de la vidéo. Du coup, vous l'aurez compris au titre, on va parler du skin Oro, car ça fait plusieurs semaines qu'on l'attend et on a enfin des informations concrètes concernant ce skin. Ça a commencé le 22 mars, il y a deux jours, puisque dans les actus coréennes du jeu, on a eu un message en rapport avec ce skin Oro, comme quoi il allait bientôt sortir. Du coup, ça confirme à 100% que le skin sortira dans la boutique et pas gratuitement comme certains ont pu le penser. Et en fait, avec la mise à jour de ce matin, mis à part quelques bugs qui ont été corrigés, la seule chose qui a été ajoutée dans les fichiers du jeu, ce sont des défis pour le skin Oro. Les défis, vous les voyez à l'écran, il y en a 4 qui permettent chacun de gagner 100 000 XP, ce qui est vraiment énorme, hein, c'est presque 2 niveaux. Aider ses équipiers à réussir des éliminations, faire une partie avec un ami, infliger des dégâts à des adversaires et obtenir des médailles. Autrement dit, en 10 parties, vous aurez largement terminé vos défis et vous aurez donc gagné 400 000 XP. Et en plus, vous le voyez en bas, on a deux autres récompenses. On a la pioche qui va avec le skin Oro, donc il n'y a rien à dire, elle est vraiment jolie. Et on a également le revêtement qui est doré. Alors, c'est pas le premier qu'on a dans le jeu, mais ça fait toujours plaisir. Du coup, comme je vous le disais, ce skin va sortir dans la boutique. Donc, pour avoir accès à ces défis, j'ai bien peur qu'il ne faille acheter d'abord le skin qui sera, lui, à 2000 V-Bucks. Il y aura également son planeur dans la boutique, un planeur légendaire, donc à 1500 V-Bucks, qui est vraiment magnifique à une nouvelle fois. Par contre, il y a quelques temps, on avait également trouvé une nouvelle variante pour ce skin, une variante un peu plus sombre, comme vous le voyez sur cette vidéo de Yante. Celle-ci n'est pas représentée dans les différents défis, donc je ne sais pas comment on va pouvoir la débloquer. Peut-être que ce sera un skin différent que tout le monde va avoir, ou je ne sais quoi. N'hésitez pas une nouvelle fois à me donner vos théories en commentaire. Du coup voilà les gars, j'ai rien à ajouter concernant ce skin, concernant les news d'aujourd'hui. Bon, comme je l'ai dit, il y a eu quelques bugs de corriger. À côté, bah, il y en a toujours dans le jeu et ça, bah, c'est un peu dommage. Une nouvelle fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, surtout c'est très important. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrum.